Coucou tout le monde, c'est Mai, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 40 du Let's Play sur Tales of the Styria, brah. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ce mot, brah. Mais en tout cas j'ai sauvegardé, et normalement ça devrait être la salle du boss, j'espère. Oh mon dieu. Wadel. Lailaïf. Alors, je vais voir si je peux vous expliquer. Apparemment, j'ai raté un Normin. Donc apparemment, il est vieux de quelques centaines d'années. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui le qualifient encore de jeune. Par contre, j'ai juste changé de casque parce qu'encore une fois, mon casque sans fil a perdu sa batterie, bien sûr. Voilà, j'ai fait moins fort et tout, si toi-même tu sais. Par contre, j'ai fermé ma tablette parce que sinon je prends quand même pas mal de place. Merci. Hop, voilà. Ah là là. Hop. Ouf. Voilà, c'était là qu'il était le Normin. Apado, voy los fia. Excusez-moi, oh lolo, ça va pas là, Apado, j'ai même pas lu ce que ça faisait en fait, honnêtement. Ok, donc on va aller vers les toiles et tout, si toi-même tu sais, ça c'est bien fait quand même, ça j'adore. Ça me fait penser un peu au début du jeu, il y avait aussi plutôt, on était aussi comme ça genre dans le, je me disais déjà ça flotte. Mon dieu, c'est quand même encore... Imaginez, on aurait pu faire tout ça avec les marches sur le côté. Mais non, fallait que ce soit cassé. J'espère quand même qu'il n'y a pas des discovery quelque part par ici. Ah, et on y arrive. Oh mon dieu. Ça me fait un peu penser, mais vite fait, hein, genre à un endroit dans Ni no Kuni. C'est genre sur une île, on pouvait pas aller, fallait passer par la voie du ciel avec le dragon et vraiment atterrir à un endroit spécifique en fait. Et je me souviens, et c'était genre une île comme ça, et ça me fait un peu penser, bizarrement. Surtout qu'aujourd'hui à Ni no Kuni j'y ai beaucoup pensé parce que il y a eu le level 5 vision et bien sûr... Voilà, tous les problèmes qui vont avec. Attends, c'est quelqu'un qui va sauter ? Donc en fait elle va dire que la seule option qui lui reste c'est de sauter, de mourir justement. Et donc la seule chose qu'elle voulait faire c'était protéger, c'était justement que sa famille soit heureuse. Donc apparemment elle était amoureuse d'un cannibale qui mangeait aussi des hommes. Et c'est pour ça. Sa famille n'était pas très d'accord, mais bon, au final tout ça s'est passé à cause d'elle et maintenant elle veut se suicider justement pour ça. Donc qu'est-ce qu'il dit Dezel ? Et donc Dezel dit qu'elle doit, que Soleil dit qu'il doit la laisser tranquille, Soleil doit la laisser tranquille, et que si elle veut faire quelque chose, bah, qu'elle le fasse.
Attendez deux secondes, hein, parce que j'ai mon Skype. Voilà, j'éteins mon Skype. Tout est bien. Tout est bien. Pensez que c'est lui. Putain, moi j'aurais le vertige. Donc Sreva, genre, pas vraiment l'encourager, mais genre lui dire des... Voilà, lui faire un peu un speech, et des, voilà, dire qu'il faut vivre avec et tout. Qu'elle ne doit pas mourir pour ça. C'est pas que j'invente ce que je viens de dire, mais bon, il est juste mis speech. A heartwarming speech to the girl. Sray will give a heartwarming speech to the girl. Donc voilà, j'imagine qu'il lui a... Voilà, c'est justement des... Il lui a fait un speech réconfortant pour le cœur. Donc voilà, à mon avis, il a dit plutôt des mots comme ça, comme je viens de le dire. Même si j'en suis pas sûr. Mais bon, Sray est quelqu'un de bien, donc je pense qu'il a dit des choses comme ça. On va battre, se combattre sur le pont ou bien là-bas? Niveau 47, oh mon dieu. Ah, il a les mêmes weakness que dans ce donjon, c'est génial. Oh merde, je suis dans le mauvais Kamui. Voilà, je me prends un coup. Oh merde, pourquoi ça m'a touché? Il a perdu sa faiblesse? Non, je pensais qu'il avait perdu sa faiblesse au feu parce que il faisait plus rien. Ok. Il n'y a ni mon blast ni mon truc qui veulent marcher. Oh, je me suis pris un petit coup. Oh merde, je me suis pris le coup. GG. Allez, vas-y. Voilà, j'ai utilisé mon blast. On a fait genre les deux en même temps, quoi. Ok.
Ça va, j'ai plutôt bien joué, même si bon, c'était en normal, j'avoue. J'ai un peu honte, mais bon, voilà. C'est bon, pas tué. Par contre, maintenant... Ce qui est con avec ce casque, c'est que je trouve pas le bon équilibre, quoi. Genre, il y a un niveau de la télé qui est genre trop... Parce qu'en fait, dans la PS3, on peut justement faire sortir le son par multiples... De multiples... Allez, on peut faire sortir le son de par multiples trucs. Donc en fait, par exemple, le son, je le fais sortir de mon HDMI vers ma télé et je mets mon casque de ma télé à mes oreilles, quoi. Parce que en fait, je joue pas le jeu sur ma télé, mais sur mon écran d'ordinateur qui a justement un HDMI. C'est plus simple pour moi d'enregistrer, d'avoir mon micro sur mon bureau que si je joue devant ma télé. J'ai pas vraiment un bon endroit où mettre mon micro, donc voilà, je le fais comme ça et ça marche plutôt bien, quoi. Donc en fait la fille a dit merci à des ailes, donc apparemment elle arrive à le voir. Et apparemment elle va essayer de travailler plus dur dans la vie, essayer de faire plus d'efforts. Et donc voilà. Le cœur, les liens de l'amitié. Apparemment, il va nous donner notre pouvoir, mais je sais pas si on aura d'abord faire encore autre chose. À mon avis, non, plus que justement, on a passé le test du cœur et des liens de l'amitié. Donc, voilà. Les vents, les 15 tenzoku de vent. Donc voilà, c'est des ailes. ワーデルさん。どう?バッチリ?バッチリ?Maintenant, on n'a pas encore vu beaucoup Edna dans cet épisode, même dans le précédent en fait. J'ai pas joué énormément avec non plus. J'ai pas vu souvent sa Kamui dernièrement. エルダルフに対抗できるのかな?それはやってみなくちゃわからないだろ?うん。つまりそいつを探すと手がかりなしよ。どこから手をつける?最初にあった場所からが鉄則だろうね。わかった。戦場だな。戦場 donc la guerre. Est-ce qu'il faut de nouveau retourner au Eldalfo, Grave Gando. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Grave Gando. C'était pas genre un truc comme ça. Grave Gando. Ouais. Ok. Alors. Il n'y avait pas genre une sauvegarde. Ah bah oui, il y en avait une dans la salle tout en bas. Ils auraient pu nous mettre une sauvegarde là quand même.
Parce que là, on va faire quand même quelques tours. Inutilement. Mais bon, voilà. Oh, j'avais même pas vu. Ah, désolé. Si on a des qui ont vu, ils ont dû se dire, mais Emma, pour comment t'as pu rater ça? Bah, j'ai pas raté. Et s'ils vont me dire, hey, mais Emma, t'as raté les fleurs rouges qui étaient juste à côté de toi. Regarde jusqu'à la fin de la vidéo, mec. Oh, 100, j'allais dire 11, what the fuck, non, ça c'est 100, je sais pas ce que c'est, honnêtement. Hops, et on va, magnifique musique d'ailleurs, je n'ai pas assez, je sais pas comment augmenter mes trucs, par contre. Alors, save point, green, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Attends. Attends, c'est où qu'on doit aller? Astombel. Non, pas près de l'Astombel. Mais j'espère qu'on peut y accéder. Attends. Ouais, normalement, oui, hein. Mais quoique, non, on était tombé. Mais si, ils mettent les Vilgonauts. East exit, j'espère. La sortie de l'Est. Ah, bah oui. On était un peu loin, mais bon, on va quand même y arriver. Ben oui, c'est juste. On était arrivé par là, mais il y avait un chemin quand même. Ok, Grave Gando. Par contre, je me sens chaud de sauvegarder bientôt. C'est pas comme si... Merde, vous allez pas me dire que je suis parti dans le seul mauvais sens qu'il y avait. Si, vous allez me le dire. Si, sérieusement. Coucou toi. C'est ici qu'on avait rencontré Rosé. Allez, rencontrer. Quelle heure? Qu'elle avait rejoint notre équipe. Ils sont quel niveau? Ils ont aussi monté? Non. Je testais juste un truc, hein. Parce qu'en fait, j'ai entendu parler d'un truc où, genre, si on restait appuyé sur le bouton d'art, il continuait à faire nos attaques. Par contre, c'est là. Je vais faire une petite sauvegarde quand même, au cas où ça s'activerait tout seul. Alors apparemment, alors justement, j'ai parlé dans l'épisode précédent d'une fin. Je sais pas si je devrais la faire maintenant, en fait. Mais je sais pas où je dois aller, c'est ça le problème. Allez, je sais où je devrais aller, mais je dois chercher le nom de la zone, et du coup... Voilà, je le ferai peut-être pour le prochain épisode. J'espère que ce sera possible pour le prochain épisode. N'empêche, c'était là qu'on avait rencontré Eldalf. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu une étoile, hein. Ce sont les amis de Rosé. Donc en fait, ils ont pu récupérer des informations et en fait, tout simplement, donc ce sont bel et bien les amis de Rosé. Par contre, j'ai quelque chose dans la gorge. Oh, et donc apparemment, Lowlands, l'armée de Lowlands va bouger, donc ne va plus être justement sur cette zone de guerre. Tout simplement parce qu'ils ont trouvé un accord apparemment avec quelqu'un qui était justement un militaire, tout simplement, et donc
Donc voilà, en tout cas les assassins, donc voilà, eux aussi ce sont des assassins, que ce sont les amis de Rosé, et Rosé c'est une assassine, bien sûr, un assassin. Donc je sais pas si on dit une assassine, je pense qu'on dit même pour les filles un assassin. Du coup, maintenant ils ont du job, quoi. Vu qu'il y a des personnes apparemment à tuer. Du moment que c'est pas Alisha, je m'en fous. Kankenai. T'es chaud? Je déteste quand elle prend cette pose là. Attends, qu'est-ce qui est? Osez. ボクたちだけで行く方がいい。トル、フィル。私らだけで行くよ。その方がごきやすい。わかった。気をつけて、トーリオ。失礼。トーリオを頼むよ。ああ。なんか悪いね。風の骨のことに付き合わせちゃってさ。やっぱ心配だし、ほっとけないよ。兵馬が絡んでるのならなおさらだ。ついに来た。 ベンドラゴニ。デゼル。本当にやるつもりなのか。今更だな。何の話？お前が知る必要ない。何それ？いいえ。やめろ。くっつくんじゃない。仲のよろしいこと。黙れ。とっとと行くぞ。デゼル。 Je sais pas comment il ose camuer avec elle, quoi. Allez, pchit, allez. On a marre. Hein? Rosé. Je veux une quest avec Alisha. Mais avec Alisha qui me suit derrière moi. Même si c'est une quête. Je fais cette quête 10 000 fois si vous voulez. Bref, faut aller à Pendragon. Pendragon. Bah, on a une sauvegarde juste à côté. On va payer. Et puis merde. Et puis merde. Alors, le Pendragon. Se foutre de notre gueule, quoi. Pas de pareil. Capriasse. Si, si, c'est celle la plus proche. J'espère. Yes! Non. Oui, non. Ben non, c'est justement celle-là plus loin. Fais chier, je voulais arriver là-bas. Putain de merde, quoi. C'est pas possible, quoi. Fallait que ça m'arrive, quoi. Putain, quoi, c'est pas possible, hein. Ce jeu, quoi. Mon Dieu, quoi. Oh, mon Dieu. Oh, c'est pas possible, quoi. Faudrait que je me fasse une photo de toutes les zones. Comme ça, je vois de quel côté je vais arriver et tout. Oh, le retardé. Oh mon Dieu, le malade mental. Il a foncé comme un con. Albata. Bon, allez, on a toujours ces murs complètement dégueulasses. C'est pas que c'est dégueulasse, mais c'est juste que ça fait bizarre d'avoir des lignes comme ça sur un mur. On fonce, hein. Mais pas trop quand même. Zigzaguer un peu. C'est bien zigzaguer. Non, oui, bien. Good. Good, comme dirait l'autre. J'adore comment cette zone est droite. On peut passer à travers? Ah non. Oh oh oh. Je m'y attendais un peu, parce qu'on le voit dans le trailer. Je vais te laisser. 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 Je vais te laisser.
Donc Rosé dit que ce n'est pas une coïncidence. Et donc Zavida nous demande de justement laisser le prochain adversaire pour lui, le prochain ennemi pour lui. Et donc mais des ailes n'est pas bien sûr pas d'accord. Et Zavid a dit qu'il a des comptes à régler avec deux autres personnes. Qui sont ces deux personnes? Je sais pas. Ok. Toujours faible à rien. Par contre, mes BG sont... Il est pas confus quand on l'attaque, lui? Attends. Non mais pourquoi ils ont des... Ah putain, bouge. Mais non. Mais vas-y, me combotte. Putain, il me... Impossible de le comboter, hein. Non, il nous a eu. Mais genre... Elle se fait quasiment 2 HKO quoi. Ah, on a enfin pu le comboter. Ok, c'était bizarre, mais on a gagné. Alors,
Donc il nous donne son pistolet et sa dernière recharge, donc sa dernière balle. Donc apparemment il a dit qu'on devait l'utiliser pour justement sur des ailes justement. Chicletto? C'est quoi ça, chicletto? Chic frito. On en est à combien de temps? In game, 31 minutes. Ok. You're gonna be ok. Soka. Bon. J'ai pas trop envie. Tantôt peut-être, en off, mais pas maintenant. J'ai envie juste d'avancer pour vous. On en est déjà à 31 minutes. J'ai pas envie de perdre encore plus de temps Lowlands. Ok, Lowlands. Donc je pense être bien dans la bonne voie, vu que c'est par là. À mon avis, il faudra aller parler avec Sergei Piputkin. What the fuck? Je sais pas pourquoi j'y ai pensé en une fois tout d'un coup. Ça? What the fuck? Je sais même pas qui c'est, quoi. Peut-être un mec que j'ai entendu aux infos, je sais pas. Non, apparemment pas. C'est même pas ça qu'il faut faire. Nickel, super. Et on n'a pas vu l'étoile. Donc. Ce n'est pas... Attends. Quoi. De toute façon, c'est à Pendragon qu'il faut aller. On est d'accord. Et si maintenant, mais non, c'est juste la continuité de la zone d'avant. Oh, mais au pire, on va à l'auberge, je pense. Ça doit être un truc comme ça. Il n'y a pas genre de coffre ici. Je me rappelle pas être venu ici. Donc, on va aller à l'auberge et puis merde. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est point ça. On va sauvegarder. On va faire une bonne grosse sauvegarde. Bonne grosse sauvegarde. Nouvelle. Comme ça, si maintenant je fais une connerie. Si j'ai fait une connerie, je peux revenir. Eh oui. Eh ouais. C'est comme ça. Même si parfois je passe des heures sans faire une bonne grosse sauvegarde, autant le faire quand même. Alors on va passer la nuit. Dorago. On va manger la spécialité de Dorago. Ok. Non, juste non. Juste non. Bon, ben, vous voulez quoi? Moi, je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine, au revoir. Je ne vous laisse pas ce moment-ci, maintenant, dans l'épisode. Voilà, moi, je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine, au revoir. スレイ。スレイ。スレイ。テイルズ・オブ・ゼスティリア、1月22日発売。